s'agit de remodeler l'ancienne chaussée pour l'adapter à la future bretelle de l'autoroute A54 vers Marseille. Adrien Kaufmann, vous êtes conducteur d'opération sur ce chantier pour Vinci Autoroute. Vous nous présentez cette nouvelle étape qui s'inscrit dans le cadre de cette reconfiguration de la bifurcation de Salon de Provence. Une nouvelle phase de travaux démarre suite aux opérations de terrassement sur l'A54 en direction de Marseille ou Lyon, qui consiste à venir reprendre les enrobés pleine largeur sur l'autoroute. Ces travaux consistent à reprendre les pentes, les dévers de la chaussée afin de les mettre dans une configuration confortable pour les usagers. Ce sont près de 4500 tonnes d'enrobés qui seront appliquées sur les voies de l'autoroute A54 à proximité de la bifurcation de Salon de Provence en direction de Marseille et de Lyon. Pendant tout le week-end, de nombreux moyens seront engagés, une cinquantaine de personnes travailleront nuit et jour en continu, aidés par de nombreuses machines. On met plusieurs couches successives d'enrobés, qui va permettre d'accueillir ce trafic et pendant plusieurs années. On est obligé de mettre en place des épaisseurs très importantes d'enrobés, les unes successives aux autres, qui nécessite des temps de séchage, d'où le fait qu'on ait besoin d'une plage horaire étendue qu'on ne trouvera qu'en week-end, puisque c'est le moment où on gênera le moins les usagers.